que le ballon va rester dans l'air de jeu. Oui, avec Guillaume Taillot justement qui travaille face à Launay. Un bon centre, la tête de parade. Et la première parade pour Anthony Beuve. Shakil Delos à l'attaque. Shakil Delos, meilleur buteur nancéen pour le moment. Trois réalisations. Gaëtan Busman, un bon centre au deuxième poteau cette fois-ci. Anthony Beuve, impeccable. Cette élimination du côté des Herbiers pour Avranches. Premier ballon pour Groma et la sortie un petit peu compliquée. Ce sera à mon avis un carton rouge pour Anthony Beuve. Et oui, c'est plutôt logique, une sortie un petit peu aléatoire, un petit peu douteuse. Il est exigeant. Championnat, on a vu Xavier Gravelin, le directeur sportif. Tout à l'heure, attention à cette tête. Benjamin Gomel. Et encore une tête et encore un dégagement sur la ligne. Plein axe, c'est parti pour Benjamin Gomel. C'est touché par un avranchiné. On essaye de ne passer à nouveau par les côtés, cette fois-ci côté gauche. Avec Guillaume Taillot. Ouais, un ballon qui est laissé par Justin Smith à Kevin Farad et la parade. On va chercher le second poteau. Un ballon qui sera toujours dans l'air de jeu avec Shakil Delos. Il est passé avec un petit peu de réussite, Shakil Delos, le centre. Et la deuxième chance pour les Nancéens. C'est encore dégagé, incroyable. Les Nancéens qui vont devoir passer la seconde s'ils veulent se créer une nouvelle opportunité avant la pause. C'est parti avec Groma. Groma qui va centrer, c'est bien joué là. Tentative de talonnade. Shakil Delos, le centre au deuxième poteau et c'est encore une fois dégagé par la défense avranchinaise. Pas pour longtemps la belle frappe de Gaëtan Busman. Kerouédan, c'est Koufofana qui se propose sur le côté gauche. Elle a tenté d'alerter, c'est plutôt bien joué. Et la bonne sortie de Surzac dans les pieds de Dany Jean. Carlier. On va chercher à nouveau Lucas Pellegrini qui a du champ, plein axe, pourquoi pas la lourde frappe du gauche, c'est bien joué. Et c'est la barre qui vient sauver une nouvelle fois Pierre Magnon. La baguette, monsieur Barenton. Fait respecter l'ordre dans la surface, c'est parti. Et encore une fois, c'est bien tiré cette fois-ci sur le but. L'ouverture du score pour Maxence Carlier à la parade sur ce corner botté par Benjamin Gomel. 1-0 pour Nancy. Pierre Magnon. Une perte de balle là dans l'axe. Et Guillaume Taillot un petit peu emporté par son élan. Des scores profitant de ce temps mort. Carton rouge pour Guillaume Taillot, c'est bien ça. Eh bien il est écope d'un carton rouge et ça remet les compteurs à zéro. Simba. Allez, si le ballon arrive jusqu'à Fofana. Quelle occasion pour les Avranchinais. Les deuxième chance. Pierre. Pied gauche. Et encore une fois, le deuxième ballon pour les Avranchinais. La bonne frappe et quel arrêt de... Oh, quel double arrêt de la part de Martin Surzac. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça y est. Et bien voilà, il est réchauffé. Si le score reste ainsi, on pourra véritablement parler d'effet Correa avec 3 matchs, 3 victoires. Ouais, la bonne tentative de lob pour cette équipe nancéienne.